Hello YouTube, nouveau combat classé toujours avec la team du champion du monde 2014 et on affronte du Raflesia. Alors là, la team, il y a de tout. Il y a Raflesia Charter qui est un duo assez connu. Il y a Wimessir, mais le Wimessir femelle ne peut pas poser la distorsion, donc il a personne avec distorsion dans sa team. Mais il a Ronflex, Charter Montracite. Je comprends pas ce qu'il veut faire avec sa team. Et il a Lézargus en dernier. C'est une énigme pour moi cette équipe. Encore une game où j'ai envie de prendre Farfaduvé et Duralugon. Quelle horreur. Quelle horreur, Montracite Shiny. Mon dieu. Alors ça veut faire surf, je suppose. Hein. Je vois pas de raison de faire Lézargus Montracite autre que ça. Le truc, c'est que il va se faire des dégâts pas ridicules. Ah, il peut faire Aqua Jet aussi quand même. Et là, Aqua Jet, les dégâts sont ridicules, on va pas se mentir. Mais on peut très bien faire vent arrière. Alors, est-ce qu'on veut Dynamaxer Duralugon? Vraie question. Hein. On peut vouloir Dynamaxer Dracozol plutôt. Hein. C'est peut-être mieux. Hein. Sûrement même. Et Max Sol, on va le pulvériser, hein, le Colossal. Cela dit, non, à plus 6, il va nous dépasser. À plus 6, il va nous dépasser. Du coup, il faudrait tuer le Colossal. Oh, j'ai peur de faire une connerie. On va faire Max... On va faire Max Dragon, parce qu'en plus, ça baisse son attaque. J'espère qu'il joue physique. Oh, j'ai peur de faire une connerie, là. En fait, j'avais trop peur de Raflesia en lead pour ne pas prendre mon Farfaduvé qui a Run Protect, donc contre Poudre Dodo c'est vraiment intéressant. Oh, j'avoue, j'aurais pu faire Dracozolt en lead. Parce qu'au pire, je fais vent arrière max électrique et du coup, je peux pas prendre Poudre Dodo non plus. Oh, j'avoue, c'était mieux. Ça va dynamaxer le Montracite. Aucune surprise. Je sais pas, je crois que toi t'as plus de temps, ça prend la première option possible. Par contre, si t'étais en train de choisir parmi les moves Dynamax. Bah ça va pas compter l'action, enfin ça t'a pas compté ton input de Dynamax, ça va te prendre, bah là mon premier move sur mon Duralugon c'était Abri, si j'avais pas eu le temps ça aurait fait Abri même si j'étais en train de choisir un attaque max. Mais je suis un débile moi, vu qu'il fait Aqua Jet, je vais prendre un gros Max Sol dans mes dents, ouais. Mais au pire il va pas me tuer. Ouais, il va pas me tuer, il va m'activer une assurance, donc en vrai il va se faire avoir. On voit rien. Ouais, plus 6 speed. Plus 2 attaque. Ça tue? What? C'est un coup critique ou pas? Non? Oh, c'est spécial. Oh, c'est pas vrai. J'ai perdu mon Dynamax gratos. J'aurais pu prendre Darumacho et faire Max Sol. Ok, bah non, parce que je suis plus là de toute manière. Oh, quel malheur! Non mais non, mais je peux pas me faire avoir par les Argus après avoir joué de l'armée Léon, sérieusement. C'est pas possible. Oh, quelle horreur. Oh merde. Bon, mon Farfadu est plus rapide que le Colossal, mais ça fait pas tout. On va faire Écosphère. Plus Close Combat, je vois pas ce que je peux faire d'autre. On va pas tuer l'unité Léon de toute manière. On pourra pas taper deux fois avec Quartermac, hein. Je pense pas. Hein. Là, il devrait aller chercher mon Farfaduvé. Oh, bouton fuite. Ah bah non, du coup, il a pas tapé. Eh, moi aussi, je vais bouton fuite à un moment sur, enfin, dans cette team, mais pas sur. Pas sur l'armée Léon. C'était sur Farfaduvé. Oh, il pose le soleil, mon dieu. Oh non. Oh, quelle horreur. Je me fais ruiner. C'est pas la veste qui va m'aider à tenir. Hein. Coup critique change rien, hein. Même avec la veste de combat, là. A plus d'un attaque spéciale et le soleil. Le soleil fait que le coup critique est pas nécessaire. J'ai même pas abri sur sur Galvagon. Heureux de vous avoir connu, les amis. Mon seul espoir. Mon seul espoir, c'est.
de drop son attaque spéciale, mais ça va même pas suffire, à plus 1 il me tue quand même, ça change rien. Ça change rien, je me fais goumer d'une force monstrueuse. J'ai pas joué autour du... J'en fous, c'est trop tard. J'ai pas joué autour du Aqua Jet. J'aurais pas dû dynamaxer mon Duraludon. Mais ça... Ouais, il joue spécial, je me suis fait surprendre aussi par ça. Je pensais pas qu'il jouerait spécial. Surtout avec Charter. J'avoue que je me suis bien fait coincer là. Parce que physique, Duraludon il tenait, hein, sans problème. Enfin sans problème, je vais dire un petit peu, mais il tenait quoi. Et là, road to 4-0 quand même. Bon, enfin, le score, vous savez très bien, je vous dis toujours, le score veut rien dire. À Pokémon, il y a des 4-0 très serrés et des 1-0 qui sont des stomps. En l'occurrence, ça, c'est un 4-0 qui est un stomp, hein, cela dit. Donc, bon, peut-être pas le meilleur exemple pour dire ça. Bah, c'était sympa, hein. Mon dieu. C'est pas très sympa, hein. Mais pourquoi j'ai découvert dès que maintenant? Et vous le voyez, il est bien spécial, le Montracite, la confirmation ultime qu'il est spécial. Avec surchauffe, du coup, c'est un max feu à 140 de puissance. Bon, du coup, vous pouvez faire le calque chez vous du max feu sur mon Quartermac, qui a 252 EV en point de vie et 12 en défense spéciale avec la veste de combat. Avec le soleil, bien sûr, il y avait le KO. Hein. Bien sûr qu'il y avait le KO, il doit être timide 252, le Montracite. Je suppose, bah, je me suis fait avoir par ça, hein, après l'avoir pas mal joué, même si je sais très bien que ça reste quelque chose de limité. Mais j'ai pas joué autour du Aqua Jet, j'aurais pu faire beaucoup mieux en ne dynamaxant pas mon Duraludon. Cela dit, est-ce que j'aurais dynamaxé mon Quartermac? Et tour d'après, j'aurais fait Écosphère, donc il aurait eu le soleil de toute manière. Ouais, je me serais trouvé coincé dans tous les cas. Je vois pas ce que j'aurais pu faire en vrai. Faudrait que je réfléchisse à ça parce que ce genre de truc, bah il y a quand même quelques personnes qui les jouent, mais ça reste très très BO1. Il y a quelques personnes qui jouent ça, donc bah voilà, faut savoir ce qu'on fait contre ça parce que on n'a pas envie de perdre. C'est frustrant de perdre contre ça parce qu'on se dit merde, si j'avais su, bah ça aurait été tellement simple. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ce combat vous le regardez sur YouTube. Et si vous le regardez sur YouTube, vous pouvez venir sur les lives où il y a tous mes combat, donc venez nous rejoindre, je suis en live presque tous les jours, le lien ma chaîne Twitch est évidemment en description. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, il y en a tous les jours à 19h sur la chaîne YouTube. Salut tout le monde.